Bonjour tout le monde! Donc en fait aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ben, dans le fond cette vidéo consiste à l'accident de William en scooter. Donc je vais vous faire un peu une story time. Je sais que c'est pas moi qui ai eu l'accident, mais dans le fond c'est mon meilleur ami puis je sais pas mal toute l'histoire. Puis je sais que si mettons je serais avec William, ben genre ça prendrait genre 3 heures à vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc William est pas au courant que je vais vous expliquer ça puis que je vais mettre ça sur YouTube. Mais je suis pas sûre que ça va être dérangé. Puis de toute manière j'ai une grande gueule donc je vais vous le dire. Hey, dans le fond, si vous avez pas remarqué, ça fait plusieurs jours que je suis avec Kim. Puis, dans le fond, si elle a des petits trucs à dire, ben, elle va le dire. Mais sinon, c'est pas mal moi qui va dire la petite story time qui s'est passée avec l'accident de Will en scooter. Enfin, dans le fond, si tu veux écouter le reste, ben, t'as juste à swipe. Enfin, dans le fond, il a reçu son scooter dimanche. Dans le fond, moi, puis Kim, on est allé le voir parce que je voulais voir son scooter, puis genre. Ou c'est mon meilleur ami, tu sais. Dans le fond, 48 heures après, il y a eu son accident, donc mardi. Je te félicite, tu commences bien, mon grand. Puis dans le fond, première des choses, William est quand même petit, même si je mesure 5 pieds 2 et demi, 5 pieds droit, puis j'ai ça de plus grand que lui. Mais il touche pas à terre. Genre, je pense peut-être que son scooter, il est fucked up, ou c'est peut-être lui qui est fucked up, mais il touche pas à terre. Fait, dans le fond, ça marche comme beau. Mais bon, ça n'a pas rapport, je pense, avec la grandeur de si tu touches pas à terre. C'est que dans le fond, William, il voulait aller voir ses parents au camping à Sainte-Brigitte. Puis là, dans le fond, il a décidé d'y aller, puis tout allait bien. Je sais pas, il était quelle heure, là. Puis genre, dans le fond, quand il a décidé de revenir, dans le fond, il y avait comme un petit coin qu'il fallait qu'on tourne. Puis là, il y avait de la petite gravelle. Tu sais, moi, je connais là, des personnes qui ont planté dans le gravel, dont moi puis un de mes amis. Genre, il y avait de la gravelle. Puis la gravelle, ça vaut pas de la merde. Va pas dans le gravel quand t'as un scooter. Tu te plantes définitivement, tu te crisses là. Tu te crisses dans la merde. C'est comme si y a un trou, puis t'as décidé de crisser dans le trou, là. Ça vaut pas de la merde. Crisse-toi pas dans le gravel, mon grand. Là. Prendre l'autoroute, là. T'as plus de chances de moins de blessés. Non, peut-être pas si tu fais frapper. Non. Écoutez-moi pas, là. Je suis blond. Ok, fait que dans le fond, William, il a décidé de tourner, puis il y avait de la gravelle. Fait que là, il a décidé de tourner, mais il a comme glissé. Fait que là, il a décidé comme de partir, genre de breaker, mais en même temps de partir. Fait que là, ça fait vroum! Puis là, dans le fond, le scooter, il a crissé le camp, genre sur le côté, genre à côté. Le foin, voilà. Pas du foin, mais genre. Dans l'air. De quoi tu jases? Ben dans l'air, là, c'est genre. Non, pas dans l'air. Attends, je vais le trouver, je vais le couper. Il a comme tourné, puis il a comme tombé dans le fossette. Ben, pas loin du fossette. Pas lui, mais le scooter. Dans le fond, William, il a juste crissé le camp à terre. Mais dans le fond, je vais vous montrer une photo de comment genre qu'il s'est blessé. Ok, ben dans le fond, voici la photo de William de comment il s'est genre blessé. Dans le fond, c'est pas tant grave, mais il aurait pu avoir de quelque chose de vraiment plus grave, puis genre qui aurait pu vraiment se blesser, puis genre partir en ambulance. Genre, on sait jamais. Chanceux, genre, il était chanceux, là, parce que je suis désolée, t'es dans le gravel, mon homme, là, puis là, tu. Proum! Là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, le scooter, il a froum à terre. Puis dans le fond, il a juste crissé le cadavre. Mais là, dans le fond, lui, il était genre sur le choc de panique, man. Tu viens d'avoir ton scooter, t'as passé ton permis, t'as ton scooter, tu crisses déjà le camp, même pas 48 heures après. Genre, t'es gommé, en d'autres, t'es. Je suis capable de conduire, Alice? Mais là, William, il est pas. William, il est petit, là. Puis un scooter, je suis désolée, ça pèse pas 10 livres, là. C'est pas comme un chihuahua, là. Ça s'appelle un scooter. Une machine, c'est plus gros que ton corps. Mais normalement, là. Fait que là, dans le fond, c'est comme vraiment plus gros que lui. Fait que là, genre. Comme il y a quand même, genre, 3-4 chars qui ont passé, là. Ils ont pas arrêté, ils ont bien vu que lui était à terre, non, foiré à terre. Il était foiré à terre, puis le scooter, il était foiré à terre. Excuse-moi, mais si tu vois quelqu'un à terre en scooter ou genre, whatever, genre, tu penses pas, genre. Je suis désolée, il y a 3 chars qui passent, il y a peut-être quelqu'un qui va s'arrêter. Après le 3e, 4e char, il y en a un enfin qui décide de s'arrêter. Merci mon homme de sauver mon meilleur ami. Fait dans le fond, William, il a quand même. Pris son scooter par lui-même, ça a été tough, mais s'il aurait été dans le fossette, je suis désolée, mon homme, il n'aurait jamais été capable. C'était les gros camions de S-Assurance. CAA Assurance, là, les grosses patentes. En fait, c'est pas un char, c'est un scooter quand même.
Mais en tout cas, genre, au moins, il avait ses assurances avec lui, puis son permis. Fait qu'au moins, tu sais, s'il y a eu quelque chose, il y avait ses affaires avec lui. Puis qu'il avait bien son permis. Parce que, tu sais, tu as un accident, même pas 48 heures après, t'es comme, donc, tu passes ton permis, mon homme, ça va-tu? Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, d'après, il y a quelqu'un qui est arrêté, puis là, ben, qui a dit, tu sais, ça va-tu, nanana. Ou il était sur l'état de choc, là. Chris, tu viens d'avoir un accident, là, dès qu'un moment. Je suis correct, mon bras, mon poignet, il est-tu gauche? Tu vivant ou je suis mort? Dans le fond, c'était vraiment tard. Là. Je sais pas, il était quelle heure, il était à peu près vers 8 heures le soir. Fait déjà là, en plus, il faisait noir. Fait que mon homme, ça va pas bien. Fait que là, le gars, il a dit, ça va, genre, t'as-tu besoin d'aide? Veux-tu qu'on appelle quelqu'un? Non, non. Ou là, il était comme, non, non, c'est correct, j'ai juste tombé dans le gravel. Ben, je pense qu'il y a du ça. Je suis en train d'inventer de quoi, là, mais c'est peut-être il a peut-être pas dit au gars. Là. C'est ça, dans le fond, c'est voici la petite story time. Je sais qu'elle n'est pas très longue, mais c'était juste pour mettre au courant William. Je vais peut-être vous mettre une photo. Je sais pas si je l'ai encore dans mes trucs. Je l'ai peut-être supprimé. Là. Mais je vais vous montrer un peu à quoi ressemblait le scout. Là. On voit des petites égratignures. Là. Genre, après le scout, il marchait pas. Là. J'ai vraiment fallu genre qu'il. C'est quoi ça? Dans le fond, t'as comme la pédale, mais pas la pédale, mais t'as comme le pied. Dans le fond, t'as comme un autre truc. C'est pas tous les scooters qui ont ça, je pense. Mais dans le fond, tu fais juste mettre ton pied, puis là, tu pèses sur le moteur, puis là, poum, il est supposé de repartir. Mais tu sais, William, ça y avait déjà arrivé, genre le jour quand il a eu son scooter, ben le jour après, quand il est allé à l'île avec Marinelle, ça y avait déjà arrivé, genre son scooter, genre marchait plus, il était comme, what the fuck, voici les stats, bullshit. Ben c'est ça. Fait que son scout, je vais vous mettre une photo de son scout à quoi ressemblait. Continue. Fait que là, dans le fond, tantôt quand je l'ai vu, tu sais, j'ai sauté d'un bras, j'ai fait merci Jésus d'être encore vivant. Bon, j'ai pas dit ça quand même. Exagération pas mieux. Mais quand il est parti, genre j'étais fais attention à toi. J'avais quand même peur. Mais il est revenu vivant. Il est reparti chez lui. Il m'a texté. Fait qu'il est encore vivant. Mais juste pour vous dire, gang, faites vraiment attention parce que je vous le dis, comme il peut tellement arriver n'importe quoi, mais avec les scooters, les petites bébés, la merde, prenez jamais ça. C'est de la merde. Je fais du scooter, c'est de la merde. Ma mère veut pas que j'en prenne. Mon parrain dit, je te jure, René, si je te vois avec un scooter, man, c'est fini, je te parle plus. Là. Mon parrain, là, il a travaillé dans des trucs de moto, puis tout, il dit, je te jure, là, il dit, là, si je te vois un scooter, là, il dit, je t'enlève ça des mains, man, je t'achète une moto. Là. Il dit, t'es mieux d'avoir une moto qui va bien marcher, qu'avoir un scooter, une petite bébelle qui fait du bzzz. Genre, je suis désolée, là, mon parrain, pas mon parrain que je viens de parler, mais lui du côté de mon père, mon mononcle, je suis désolée, mais il s'est fait frapper, puis il est en scooter. Il est encore vivant, là, mais ça a pris 5 ans avant qu'il y ait une opération, parce que sa hanche, elle ne marchait plus, là. Il a failli être amputé. Enfin, je suis désolée, là, j'ai plein d'exemples de plein de monde qui ont été... qui se sont plantés comme moi je connais Marnel. Je pense que le vélo c'est bien plus genre c'est vraiment. Mais faut juste faire ses arrêts stop. Genre mettons Marnel a été dans gravel, elle a crissé le camp. Ben j'ai entendu ça genre de William, mais ça me surprendrait pas surtout quand t'es dans gravel. Il y a un gars que j'étais avec lui, on était en train de faire TikTok, puis genre j'étais comme bon ben go on fait TikTok mais on est dans gravel, tu sais. Le gars il a juste crissé le camp parce qu'il a glissé dans gravel. J'ai William, puis la dernière fois qu'un de mes amis, il y avait genre des constructions, puis c'était de la gravelle. Donc, on a voulu tourner, puis on a juste genre. Le scooter, il y a genre une chance. En plus, on était deux. Puis j'étais en gougoune, fait que ma gougoune a genre vraiment hors-volé. Puis genre, on s'est juste comme tourné, puis ça a juste genre. Enfin, dans le fond, le scooter, il a comme tombé, mais j'ai comme un peu tombé sur le côté. En tout cas, fait, genre, c'est vraiment. Genre, faites vraiment attention au scooter. Genre, achetez pas un scooter. Genre, attendez d'avoir un permis de moto, attendez d'avoir un char, puis c'est peut-être sont comme ouais mais tout le monde genre peut avoir un accident avec n'importe quoi, c'est pas juste les scouts. Gang, j'en connais du monde qui a eu des accidents, puis j'en connais du monde là que leurs meilleurs amis sont morts en scout là. Genre c'est pas pour rien que mon ami là était dans le sable avec une de ses amies, puis je suis désolée, ils ont eu un accident genre quand même assez grave là. Fait que je suis désolée que les personnes que leurs meilleurs amis sont morts ou qu'ils connaissent, que du moins qu'ils sont morts en scout, là, désolé, là, mais ils savent, genre, de jamais prendre des scouts, là, ça vaut pas de la merde. Bon, fait que j'arrête de charler et je vous faire inquiéter, là, continuez quand même à faire du scout. Enfin, on va juste couper ça.
Fait dans le fond, c'est ça. Fait que c'est la fin de la vidéo. Je voulais juste vous dire c'était quoi le... Ta gueule! Fait dans le fond, c'est déjà la fin de la vidéo. Je voulais juste vous dire... Pour vrai, là, je te crisse une claque. Ah, non. Fait dans le fond, c'est déjà la fin de la vidéo. Tu veux-tu te crisser une claque? Tabarnak! Dans le fond, c'est déjà la fin de la vidéo. Je voulais juste vous dire un peu qu'est-ce qui s'avait passé de, avec l'accident de William. Puis genre, il y a plein de monde qui avait dit dans TikTok story time. Mais William, il y a la flemme. Puis je pense qu'il est trop con pour pas faire de story time. Il a pas le temps. Monsieur, il y a un scooter. Il doit aller au Dolorama aller chercher une red light. Puis finalement, il revient. Il est comme, il n'y en avait pas. On parle bien du Dolorama. On parle bien du Dolorama. Y'en a pas de style red light. Puis après deux semaines, si il marchera pas ton style red light, puis il va avoir William qui va être comme, oh, ça vaut pas de la merde. Je te l'avais dit, mon homme. Bitch. Bon, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'espère que vous avez aimé ça, la petite story time. Puis tout ce que je vous dis, c'est faites attention à ce coup. Fait que merci, bonne soirée.